Bonsoir à tous mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une agréable soirée. Bienvenue sur votre chaîne Infobox. Donc mes amis, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transférer vos applications depuis votre PC ou votre smartphone Android directement sur votre Android TV. Comme vous le savez, il y a quelques mois, on a fait la présentation de l'App Store et Motion Store. Et je vous ai promis de vous donner plus d'astuces concernant cette application. Et aujourd'hui, c'est le cas. Je vais vous montrer comment transférer les fichiers directement depuis votre smartphone ou Windows sur votre Android TV. Mais la procédure est très simple et facile à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre sur Emoton Store. Ensuite, comme vous le voyez ici, pousser à distance. Vous cliquez dessus et vous aurez cette page qui s'affiche. Donc, vous avez deux options. Donc, soit vous inscrivez cette adresse sur votre navigateur Windows ou sur votre mobile, donc votre smartphone, ou sur votre smartphone, vous n'avez qu'à scanner le code ici, il va vous rediriger automatiquement sur la page désirée. Donc, dans mon cas, moi, j'ai déjà scanné le code, donc il me met sur la page désirée, comme vous le voyez ici. Ensuite, vous allez cliquer sur le plus ici. Vous donnez les autorisations que vous souhaitez, comme le micro. Moi, je vais cliquer sur ne pas autoriser. Ensuite, on va aller dans nos fichiers afin de sélectionner réellement l'application qu'on veut tester. Donc, comme vous le voyez, regardez, maintenant je vais choisir n'importe quelle application. Je vais cliquer sur celle-là et vous allez voir que, regardez, tout a changé et l'application est ici. Maintenant, je n'ai qu'à cliquer sur ouvrir. Et puis, je peux maintenant installer l'application sans aucun souci. Et c'est le même principe, mes amis, si vous faites cette méthode sur votre Windows. Donc, comme vous le voyez, l'application est bel et bien installée. Maintenant, vous pourrez juste ouvrir l'application. Et si on retourne en arrière, on va y aller dans nos applications. Donc, comme vous le voyez, elle est là. Je peux l'ajouter maintenant directement au menu de départ. Donc, c'est une astuce, mes amis, que vous devriez utiliser afin de faciliter le transfert de vos applications, que ce soit des applications que vous avez téléchargées sur votre PC ou bien des applications que vous utilisez ou vous avez déjà le fichier APK sur votre smartphone. Elle est plus facile, plus rapide, comme vous le voyez, l'affichage est instantané et l'installation aussi, elle est rapide. Et tout cela, vous devriez tout d'abord installer l'application Emoten Store. On a déjà fait une vidéo sur ça. On vous a partagé tous les liens nécessaires afin que vous puissiez installer cette App Store sur vos Android TV. Et par la suite, comme je vous l'ai mentionné, vous n'avez qu'à aller sur à distance et puis vous allez partager le fichier que vous souhaitez et procéder à son installation. Toutes les applications se trouveront ici. Voilà. Toutes les applications que vous allez télécharger ou transférer, c'est le mot exact, vous allez le trouver ici. Une fois l'application est installée, vous n'avez qu'à cliquer sur effacer et vous revenez sur la page de départ. Donc voilà mes amis, c'était juste pour vous faire la présentation de cette astuce qui est inclue dans l'App Store Emoten afin de vous faciliter le transfert des applications depuis vos appareils, que ce soit votre PC ou tablette, ainsi que les smartphones Android sur votre Android TV et les installer facilement. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, mes amis, n'hésitez pas à la partager et de la liker. Autrement, si vous êtes nouveau à découvrir notre chaîne, abonnez-vous pour plus de contenu. Sur ce, je vous dis à très bientôt, mes amis, et au plaisir. Thank you.